Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Dans cette vidéo, vous allez voir plusieurs packs icônes. On a packé du très très lourd et bien évidemment un peu de merde, hein, comme tout le temps les packs icônes. Donc je vous laisse en compagnie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu. Et je vous dis à demain, ouais, à 17h10, comme d'habitude. Bisous mes petits loups. Si c'est ça, t'es un crack, Siro 13. Où t'as eu l'expérience de l'avoir paqué. Ouais, c'est ça. Juan Sebastian Veyron. Ah, c'est un peu dur, là. Non, c'est pas Teddy de prison, non. C'est jouable, après Veyron. Mais... moi, je l'aurais paqué, je suis content pour mon concept série. Hein. Et... Heineken Pex. Allez, pour la pionne de Marco Materazzi. Allez, on veut du lourd. Oh, c'est qui? Ah non, c'est Makelele. Il ressemble même pas à Makelele, on dirait Martien. Il ressemble même pas à Makelele. Il ressemble même pas à Makelele, je vous jure, je me suis dit c'est qui. J'ai cru qu'N'Golo Kanté était icône. Bon après en prime c'est pas dégueulasse Makelele. Mets le beurre dans les épinards. Pas dégueulasse. Mais il ressemble pas à Makelele. Hein. Merci Mister. Et moi PJ. PG l'arracheur de string. Allez, on va arracher le string à un transsexuel. Oh, c'est mal parti, c'est le petit anime. Oh, c'est un anglais. Oh, c'est DC. Oh, c'est Moore. Il va nous faire l'amour. Ah non, c'est Campbell, ça va. Ça, c'est Campbell. Il est jouable. Ça reste jouable. J'ai parlé d'arracheur de string. Je me suis dit, Moore, il va nous faire l'amour. Attends, on dirait, ouais, YNCA, là, de Village People. Ah, il tire un peu, l'arracheur de string. C'est pas dégueu, franchement. Allez, Paki Call Prime. Allez, on veut du lourd. MBU pour le frérot. Grosse flamme. Hollandais. Ah, tu voulais un BU, hein. Oh, putain, Patrick. Oh. Coucou, c'est Patrick. Tu voulais un BU. Il y a une grosse lame hollandais, hein. La légende raconte que c'était athée. Quand t'as dit que tu voulais un BU, t'as eu Kluivert. Tu fais un petit pouce. C'est ce jeu, c'est toi et ta chance, frérot. Ander Herrera, je savais pas qu'il était icône, hein, il a pas d'agressivité. Il a pas de défense MBU, frérot. Oh, il manque d'équilibre, mais il a l'agilité. Rien n'est perdu, 89 de réactivité, 92 de calme. La passe MBU, donc il a pas une grosse passe, c'est pas problématique en soi. En termes de tir, placement offensif 91, finition 94, c'est pas mal. Puissance de tir 87, tir de loin 82. Ouais, c'est un pur BU, faut voir la vitesse. Double 89. Est-ce que c'est jouable? Je pense que c'est jouable. Non, c'est pas du lourd, mais c'est pas dégueulasse. Je pense que c'est... c'est une belle petite carte. Oh, c'est Crespo, là. Si je me trompe pas... ouais, j'ai reconnu aux cheveux. Là, aujourd'hui... aujourd'hui, on peut pas dire passion. Franchement, passion, tu me déçois. Hein. Le pack, c'est-à-dire, on peut plus la maîtriser, les gars. Oh, calme-toi, la couleur. Oh, putain, t'as du lourd, là. Gros slam, t'as du lourd. Allemand, MC, Mataus. Oh, putain. Ah, la couleur... encore. Alors, force, 74, 72 d'agressivité. Elle me tient un truc, cette carte. Défense, il a pas de défense. Je crois que c'est lourd, ça. J'ai pas envie de te dire des conneries, mais je crois savoir. Agilité 94, équilibre 92. Réactivité 94, calme 93. Ouais, c'est beau. GG à toi, frérot. GG à toi, gros GG. Gros GG, Eusebio Prat. C'est, non, c'est pas pelé, je savais que c'était Eusebio. Il avait deux notes de plus que par rapport aux autres. Et il avait la vitesse d'icône de base et des caractéristiques au middle. Donc c'est pour ça que j'ai dit, oh putain. Et elle me dit un truc, cette carte. GG à toi, Eusebio Prime. Et oui, mon frérot. Et oui, qu'il faut faire confiance. Désolé, j'ai plus de réaction, moi, les gars. Eusebio, c'est la 15e fois que je le pack. Tu veux Eusebio, donne-moi tes packs, frère. Je l'ai packé 3 fois sur mon compte. Après, certains vont dire, putain, il avait pas de réaction. Mais là, les gars, j'en peux plus le voir, les gars. C'est bon, allez, va faire la toiture, Eusebio. Je veux plus te voir. Donne-nous du lourd, on veut brésilien. Grosse anime. Ah, on n'était pas loin, c'est sud-américain, les gars.
Et quand je parlais d'une plume calée au cul, il me semble qu'il a joué au Real de Madrid. Donc une plume calée au cul, ça fait partie du club. Ah, ouais. C'était pas loin, Sud, Amérique du Sud, hein, tout ça. Ah, MBU, donc c'est pas problématique. 86 d'endurance. 88, 83 agilité équilibre. Aïe, 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 réactivité 95. Calme 90. Passe courte. Passe longue. Puissance de tir 87. Tir de loin 82. Finition 95. Placement 84. C'est pas mal. Oh! C'est pas Eto, c'est Eto ou Torres? C'est Fernando Torres. C'était Eto ou Torres? Parce que les deux, ils ont un petit truc, l'agilité, l'équilibre, la vitesse. C'est pas mal, Torres Prime. Torres Prime, c'est une victoire. Allez, venez, on l'ouvre comme ça, là. J'ai envie de voir, là. Ouf, j'ai 1% de batterie. Ah, c'est ton pack? Allez, je l'ouvre. Il a 1% de batterie, t'inquiète pas. Tu vas avoir du lourd. Oh, putain, petite flamme anglais. Oh, putain. Campbell Prime. Il coûte combien, le pack? Parce que après, oui, certains vont dire c'est nul. C'est, ça, c'est pas dégueulasse, les gars, putain. Ceux qui disent c'est nul, ils ont, ils jouent pas à FIFA, les gars. Oui, il y a largement mieux. Tu vas avoir Maldini, tu vas avoir Ferdinand. Mais Campbell, il est jouable. C'est un profil à la Koulibaly pour ceux qui diraient qu'il est nul. Allez, on est parti. Paki Code Prime. Fais-nous rêver, eSport. Allez. Déjà, les grosses flammes, il faudrait que t'aies, mon ami. Grosses flammes, c'est qui? Je reconnais pas. Oh. Oh, c'est Adolphe. C'est lui qui ressemble à Adolphe. Et t'as vu, il fait comme ça. Il ressemble à Adolphe. Il a la moustache de Adolphe. Oh. Allez, je te l'ouvre comme ça. Je te l'ouvre comme ça, frérot. Voilà. 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 Je te mens pas, c'est pourquoi je t'ai dit je te l'ouvre comme ça. Parce que j'ai mon écran là et ça, je suis pas un menteur. C'est pour ça que tu vois que j'ai pas de réaction. Gros GG, mon frérot. Je l'ai vu sans faire exprès. C'est pour ça que je t'ai dit je l'ouvre comme ça, parce que je savais que t'allais avoir du lourd. Gros GG, mon frérot. Voilà, tu me casses les couilles. De toute façon, tu me packes jamais du lourd. Ça fait 9 packs. Eh ben, tiens, boucher. Salut, JM. Tu me diras merci après ton pack, le boucher. Je sens que je te pack du lourd. Du très lourd, mon petit boucher. Grosse flamme. Argentin. Maradona. Ah, ok, mon bien niqué, il est là. J'ai dit, pourquoi je sentais qu'il allait avoir Maradona. Et il a Riquelme. Mais... En plus, comme j'ai fait. Grosse anime, MOC, Argentin, Maradona! Riquelme, les gars. Mais là, donne-moi du lourd, yeah, donne-moi du lourd. Grosse animation, Argentin, MOC, cette fois Maradona. Et oui, je te pack Diego Maradona. Nanani, 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 Diego Maradona. Yeah! T'as vu? Tu remixes là, donne-moi ton cœur, baby, Maradona, baby. Je te pack Diego Maradona Prime, MOC. Regarde, c'est insane, c'est insane. Eh oui, Diego Maradona. Voilà, l'assassin, bim, 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 bim. Eh oui. Quoi, doublon? Non. Il a beaucoup de force et d'agressivité. Il a pas trop de défense. Je vois pas que... Oh, il a de l'agilité, oh. Il a beaucoup de force et d'agressivité. Il a quand même de l'agilité, même s'il a pas une grosse équilibre. Réactivité 89, calme 89. C'est pas mal, ça. C'est pas Puskas, un délire comme ça. Non, il a plus en finition, je crois, Puskas. C'est pas mal, 93-91, il a une belle carte. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Peut-être, Naruto. T'as peut-être pas tort. Ouais, c'est ça, t'as raison, Naruto. Gros GG, mon frérot, Stoïkov. J'espère que tu l'as pas fait pour 9 jetons. Gros GG, on est d'accord, les gars, là, c'est une victoire. En Icon Prime, Stoïkov.
Après, si tu l'as fait pour 10 jetons, bon, t'avais le Stoïquois pour 9 jetons. Bon, pour un jeton, voilà. Assassin ou pas, les gars, avec tous les packs que j'ai ouverts? Dites-moi, hein, les gars, hein. Assassin ou pas?